Salut à tous, c'est Libazon, on se retrouve aujourd'hui pour tester une télé 4K, un QRV à moins de 600€. Mais surtout, on va voir si ça vaut le coup. On passe tout de suite au déballage. Dans la boîte, on trouve donc une télé, sans déconner, le vide de ses accessoires, la télécommande, deux adaptateurs, un U et un auxiliaire pour le son, les embouts pour accrocher la télé sur un mur, et un module d'interface pour avoir accès à un programme payant style Canal+. Et bien sûr, el famoso manuel d'utilisation qu'on va absolument lire. Nous voilà donc avec une télé incurvée de 49 pouces et une résolution 4K. 3840x2160, c'est donc de l'Ultra HD et pas de la 4K réelle, qui serait 4096x2160. On est donc sur un format 16/9 typique et pas 21/9. Une fréquence native de 50 Hz, mais dispose de la technologie Picture Quality Index, en français qualité d'image index, qui est une technologie inventée par Samsung, rajoutant des images, augmentant donc la fluidité. On obtient donc 1400 Hz peak UI. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ce chiffre indique aussi la qualité de l'image, en prenant en compte donc le rafraîchissement qui est le facteur essentiel, mais aussi la résolution, les couleurs, la luminosité, le contraste, le bruit, et si la télé est plate ou incurvée. C'est simple, plus le chiffre est gros, mieux c'est. Ce chiffre va de 200 peak UI à 2700 peak UI, on est donc dans du milieu de gamme de ce que propose Samsung. Au niveau des ports, on possède 3 HDMI, un port RJ45, une prise UV auxiliaire qu'on utilisera donc avec les adaptateurs fournis, et 2 ports USB. Faites attention, pas de prise Peritel qui sont remplacées de plus en plus par l'HDMI. Pour ce qui est du design, elle est très sobre et c'est ce qui fait son charme. Pas du borderless, mais on s'en rapproche. Une finition métallisée sur le pied et les contours de l'écran. Par contre, pour ce qui est du dos, c'est entièrement en plastique avec une apparence plutôt fragile. Mieux vaut faire attention au choc. La télé ne chauffe quasiment pas et cela est expliqué par l'utilisation d'une dalle IPS avec éclairage Edge LED, permettant de gagner en épaisseur. Pas de LED à ce prix-là, mais du moins pour le moment. Et pour ce qui est de sa consommation, on est sur du 125 kWh annuel et classé A en apport énergétique, donc une télé qui consomme pas des masses. Encore merci les LED. Nous avons ici une Smart TV, elle est donc connectée à internet, que ce soit par câble RJ45 ou par Wi-Fi. Et c'est là que j'ai eu personnellement un problème. Au début, je l'avais connectée en Wi-Fi, sauf que j'ai vite décidé de la brancher avec une prise CPL et un câble RJ45. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'elle se déconnectait à chaque allumage. Ce qui est problématique en soi, mais encore ça va. Là où ça m'a réellement posé problème, c'est quand la télé a décidé de ne plus détecter aucun réseau Wi-Fi. Un peu relou pour une télé connectée. Et on touche là le gros point noir de cette télé, son OS. Les bugs sont présents. Problème de connexion Wi-Fi, de partage d'écran avec le téléphone, impossible de changer de piste audio sur une vidéo locale, des latences quand on va un peu vite, pouvant même amener à des crashs d'applications. Bref, on a l'impression d'être sur un Android mal optimisé, un Wiko. Bon après, la télé est très bonne en dehors de son OS, la dalle est parfaite et de très bonne qualité, c'est du signé Samsung et ils sont très bons pour ce qui est des écrans. On a d'ailleurs bien évidemment différents modes d'affichage, dynamique, standard, naturel, cinéma, HDR et le mode jeu, mais il faut aller dans le gestionnaire de périphériques pour l'activer. Il est seulement disponible lorsqu'on utilise les ports externes, donc HDMI ou UV. C'est un peu dommage si l'on veut l'utiliser pour regarder un live Twitch. Pour ce qui est des autres modes, je n'utilise personnellement que les modes naturels pour l'utilisation basique et cinéma pour les films. Je suis pas trop fan des autres modes, bon après, vous pouvez bien évidemment régler selon vos souhaits dans les paramètres experts. Au niveau des couleurs, je la trouve plutôt équilibrée et fidèle, le seul truc que j'ai remarqué c'est au niveau des noirs. Ils sont un peu gris, c'est normal vu qu'on est sur une dalle IPS, et pas de l'OLED qui s'éteint réellement quand on est sur du noir. Car noir est égal à absence de lumière, petit rappel des cours de physique. Par contre, si l'écran devient entièrement noir, au bout de 1 à 2 secondes, la dalle s'éteint. C'est une bonne idée en soi, mais pas lorsqu'on regarde un film ou une vidéo. Car on le remarque direct. Et après la dalle se rallume, rapidement et encore heureux, sinon ça dérangerait pas mal. Parlons rapidement de la télécommande. C'est une télécommande basique, elle fait très bien son taf, sauf quand on est dans le noir, on a tendance à appuyer sur les autres boutons. Par contre, l'absence de microphone, réellement, c'est chiant, très chiant, surtout pour naviguer sur internet. Faut taper lettre par lettre avec les flèches directionnelles. Et d'ailleurs, parlons-en de la navigation sur internet, c'est très pénible, déjà pour ça, mais en plus pour diriger la souris. C'est lent ou trop rapide, car il y a une accélération, et parfois ça lag ou bug selon les sites visités. Et en plus de ça, il y a les pop-up. Ah là là, les pop-up. Pourtant, il y a une fonction au blocage de pub, mais pas très au point a priori. Donc le tout cumulé, ça devient vite très chiant. Et malheureusement, j'ai pris la mauvaise habitude de regarder mes animes sur la télé. Je m'arrache les cheveux à chaque épisode. Pour ce qui est du son, c'est une surprise car il est plutôt bon. Les télés, les écrans en général ont souvent la mauvaise réputation d'avoir un son dégueulasse. Et bien là, ils sont plutôt bons puisque je regarde mes films sans problème avec. Bon, par contre, au-dessus de 10, ça va rendre bizarre selon votre acoustique, mais en dessous, c'est potable. Pour conclure, nous avons là une télé 4K incurvée de 49 pouces très satisfaisante, et cela à prix réduit. Elle propose en plus un son de bonne qualité et est connectée à internet via son OS. Son OS qui est d'ailleurs paradoxalement son défaut puisque tendance à bugger, couplé à l'absence de microphone sur la télécommande et la navigation internet laborieuse. La question qu'on se pose tous donc, c'est est-ce que pour 600€ j'en ai pour mon argent? Est-ce qu'on a une télé satisfaisante? Eh bien, je vous dirais oui, car même si son OS est relou en soi, on trouvera les mêmes problèmes sur des télés plus haut de gamme, puisque le même OS. La seule différence sera au niveau de la dalle, on aura accès à de l'OLED et donc une télé encore plus fine, des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes, sachant que nous avons ici une dalle très satisfaisante. Bref, vous l'aurez compris, on aura des technologies plus avancées, parfois sur des détails, parfois sur des trucs essentiels, mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est utile de mettre 400€ de plus
pour votre utilisation. Bien sûr, si vous avez envie, foncez et faites-vous plaisir. Mais si vous avez une utilisation plutôt basique du style « je regarde Netflix et quelques vidéos sur YouTube », celle-ci fera très bien l'affaire. Et bien sûr, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ainsi que mon nouveau design. Je compte dans les prochains mois vous proposer pas mal de projets sympas. Je vous invite donc très fortement à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Ribazou et à la prochaine.